I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon micro est très très mal. Allô, 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 Jean-Pierre. Très très mal placé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai fait mes courses au boulot, à l'arrache, entre deux. C'est un peu compliqué. J'ai hésité parce qu'il y a, franchement, il n'y a rien d'intéressant. Cette vidéo va s'appeler les vidéos imparfaites. Il n'y a absolument rien d'intéressant, mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer à quel point je consomme de l'industriel et à quel point je me rends compte que je consomme de l'industriel, mais à quel point je me rends compte que c'est pas bien, mais que je consomme quand même. Donc je te le dis tout de suite, Bernadette, les courses que j'ai fait, c'est pas pour ta mère, pour ta grand-mère, pour ton chien, pour ton amant, c'est pour moi. J'ai conscience que je mange. Franchement, quand je vois ça, il n'y a que de la malbouffe. Mais j'avais envie de faire un retour de course imparfait parce qu'on n'est pas toujours parfait. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Bon, ok, c'est quand même parfait, hein, mais bon, c'est pas parfait parce que mon eau de potable et mon eau du robinet est totalement... Et en plus, le décor va très bien avec le côté imparfait, mais c'est de la vaisselle propre. Donc, j'ai pris de l'eau comme ceci, je voulais même pas montrer, hein, voilà, hop, de l'eau comme ceci pour les petits bébés, mais aussi pour moi. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vous avouerai que j'ai repris le boulot et mon mec m'a dit, il n'y a rien à manger dans le frigo. Le truc, c'est que à chaque fois, j'achète plein de viande. Mon chéri a la chance d'avoir une cantine, donc du coup, il va manger à la cantine. Quoi, un petit garçon. Et du coup, il y a plein de viande congelée. Le soir, il n'a pas beaucoup faim, mais quand il voit l'état du frigo qui est vide, il dit, il n'y a plus rien à manger. Donc, du coup, j'achète des trucs, mais à chaque fois, on congèle. Donc là, j'ai acheté des trucs qui puissent manger rapidement et moi, des trucs pour me faire ma petite gamelle. Parce que moi, je n'ai pas la chance d'avoir une petite cantine. Voilà, donc là c'est vraiment des courses d'appoint pour que mon chéri ait l'illusion qu'il y ait des choses dans le frigo alors qu'il y a plein de choses à manger déjà dans la maison. Bref, on continue. J'ai pris de l'essuie-tout comme ceci, du Lotus, pour mon petit Chouki qui a commencé la diversification. Alors même si je lui fais mes petits pots moi-même, je mets pas toujours plein de choses dans les petits pots, donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre aussi des petits pots industriels. Au niveau des ingrédients, carottes, purée de tomates, eau... riz cuit, panais, viande de poulet, huile de colza, voilà, des trucs dégueulasses, huile de colza, enfin, l'huile de colza, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est juste la déforestation, persil et ail, ok, donc j'ai pris ceci pour les petits choukis, j'en ai pris un autre, j'ai pris bio, mais franchement le bio, je m'en carre le coquillage, j'ai juste pris parce que c'était un peu diversifié, un petit pot comme ceci pour la viande, lentilles, carottes, corail et tomates comme ceci, toujours bio, ils étaient moins chers que les autres et le petit contenant me faisait plaisir, carottes, riz et veau comme ceci pour le petit chouki. Ensuite on va passer à la chouquette, alors mon chéri a toujours tendance à lui donner des plats industriels, moi ça me saoule parce que grosso modo c'est à peu près 1,20€, moi je lui fais mes petits plats moi-même mais je sais pas, les hommes et les femmes on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc je lui ai pris gratin de panais potiron du Val de Loire, comme ceci, bio, duo d'épinards, carottes et petits macaronis, des pommes de terre sauce béchamel, donc ça c'est pour le soir, fondu de poireaux, celui-là elle le surkiffe, elle adore, puis en plus moi ce que j'aime pas c'est que la petite chouquette elle a déjà 2 ans et ça c'est des... elle a pas assez avec ça, moi je trouve qu'honnêtement elle a pas assez, donc moulinet de légumes et carottes, de toute façon le soir on essaye toujours de lui rajouter un petit peu de choses en plus, un petit hachis parmentier pour la journée et risotto de panais aux champignons. Ensuite, toujours pour la petite chouquette, je lui ai pris des petits lactés comme ceci à la banane. J'en ai pris 2, elle les aime bien ceux-là. Et je me suis laissée tenter par des petits yaourts comme ceci au chocolat. Voilà pour ce qui est des enfants. Ensuite, pour mon mec, je lui ai pris des liégeois comme ceci au chocolat. Hop, et moi... Mais pourquoi non? Je pensais que c'était que du café. Donc du coup, il y a moitié café, moitié chocolat. Moi, le café, franchement... je surkiffe. J'ai ensuite pris pour mon mec des petits gâteaux comme ceci. Franchement, il les adore ces gâteaux-là. Je pense que je vais tester ceux de la marque Leclerc. C'est pas français ce que j'ai dit. Parce que, pourquoi pas, parce que ceux-là, ils sont assez chers. J'ai ensuite pris pour moi un Danao pêche abricot, un gros papa. Ça avait l'air plutôt bon sur le dessin, donc je me suis dit pourquoi pas. Et des petits Actimel comme ceci. Moi, j'aime bien voir ça le matin. Désolée, je suis fatiguée, je rentre du boulot. J'ai l'impression que ça me donne un petit peu de pêche, mais je pense que c'est un effet placebo.
Allez, on continue Mireille dans la dégueulasserie. J'ai pris des pains au chocolat comme ceci. Alors mon chéri m'a dit, pourquoi t'achètes ça? C'est pas bon. Finalement, c'est lui qui les mange tous. On adhère. Pour mon chéri, j'ai pris des petites gâches comme ceci, des espèces de petites brioches avec des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Et j'ai ensuite pris une petite brioche comme ceci, déjà tranchée, avec plein de papier, comme ça, vive la pollution. On adhère. J'ai pris ça pour la petite chouquette. Comme ceci, des petits moelleux. Je pense que je vais lui piquer aussi. J'ai pris... Oh, mais pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris des petits beurres comme ça, mais ça va être chiant. Il va falloir les mettre dans un sachet parce que je pense que ça va vite... Sachet referma, mais bon, je pense que ça va vite se... Enfin, se séquifier. Moi, j'adore ça. J'ai pris des tranches de cake parce que j'ai une tranche de cake. Donc, des petites tranches de cake comme ça, c'est super bon. C'est une espèce de petite brioche bien moelleuse avec à l'intérieur un petit ganache au chocolat. C'est juste excellent. Et pour mon mec qui adore se faire des... Du, comment ça s'appelle? Des croque-monsieur. J'ai pris du croque-monsieur comme ça. 0% de demi. Non! 100% mi. On continue Mireille. Pour mon mec, j'ai pris des petites gaufres comme ceci au chocolat. Il adore ce genre de truc. Gaufres liégeoises au chocolat. J'en avais vu une fois à Hyper U. Elles étaient à 5€, mais elles avaient l'air tellement bonnes. Un jour, je me laisserai tenter. Mais voilà, déjà, ça coûte cher. Hop, 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 hop. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Le Nutella, voilà. Huile de palme. On adore, mon popotin, il adore aussi. Ensuite, un petit peu pour la maison. J'ai pris du liquide vaisselle, comme ceci, du Puck. Mon chéri voulait du gel. C'est du cochon bruit. Donc j'ai pris du gel comme ceci, voilà, comme ça tu sais que ça c'est le gel de mon mec. J'ai pris des petites éponges comme ceci, qui ne rayent pas en théorie la casserole. Des petits sacs, comme ceci, des sacs plastiques, j'ai pris 100 litres, j'avais aucune idée, alors ce matin j'avais la tête dans le fion, j'ai passé 3 heures à faire mes courses, donc des 100 litres avec des liens coulissants marque repère, j'ai pris des petites brosses à dents, comme ceci, j'ai pris un pack parce que je sais jamais lesquelles prendre, lesquelles il me faut, et oui, oui c'est bon, pour la petite chouquette, j'ai pris du lait comme ceci, oui c'est ça qu'il faut, du lait comme ceci, puissance 4, hein, parce que ma fille elle a 2 ans, puissance 4, ma fille n'aime pas le lait entier, c'est un peu relou, parce que du coup t'es obligé d'acheter des trucs comme ça, 15 bols le truc, c'est un peu chiant. On va passer au frais et accroche-toi Gaston parce que t'es pas bien, si t'aimes pas les produits bio, si t'aimes que les produits bio, si justement les produits issus de nos régions, t'es pas bien. J'ai pris des Activia comme ceci. Kiwi et poire, parce qu'il y avait une petite réduction là-dessus, donc je me suis dit pourquoi pas. Les poires, je pense que c'est bon. Et c'est rare d'avoir des poires dans les fruits. Franchement, c'est super rare. J'ai pris ensuite des trucs comme ceci, avec le petit coulis en dessous. On a framboise, mirabelle, mûre, abricot, fraise et pêche. Je pense que ça va être pas mal. Et j'ai aussi pris la petite à la mangue. Comme ça, j'ai plein de fruits, même si j'ai pas vraiment les fruits. Alors, Mireille, je sais pas si on atteint le sommet ou pas, mais moi, je pense qu'on est vraiment, vraiment pas bien. Là, maintenant, tout de suite, parce que j'ai acheté plein de trucs congelés. J'ai pris des gratins de légumes au poulet. Oh, je pensais qu'il y avait que des légumes. Des gratins de légumes au poulet, comme ceci. Au niveau de la composition, hop, je te laisse regarder ma fille à quel point... C'est pas terrible, j'ai ensuite pris des lasagnes comme ceci aux chèvres. Niveau composition, voilà ce que ça donne. Je pense pas que ce soit terrible non plus. J'ai pris aussi des fish and chips comme ceci. Ça avait l'air plutôt pas mal au niveau du packaging, au niveau de la compo. Juxikishipa, où c'est? Si, c'est juste là. Hop là. J'ai ensuite pris ça. Ça, c'est le summum, je pense. Hein. Des espèces de poissons avec par-dessus un espèce de sauce tomate ketchup dégueulasse. Mais ça, je kiffe. Voilà, personnellement, moi, je kiffe. Et au niveau de la composition, c'est juste là. Hop là. Et pour finir, oh, encore le summum, des lasagnes, même si j'ai déjà tenté de les faire moi-même, je n'ai absolument pas le temps, ou je ne me donne absolument pas le temps de faire des lasagnes pour le moment. Donc voilà, tout ça, c'est congelé. Mon mec m'a dit, il n'y a plus de gruyère. Donc du coup, pépère, je t'ai pris une gruyère. J'ai pris un gros sachet de gruyère de fondant et savoureux, au cas où tu n'aurais pas compris, de 500 grammes, pourquoi pas. Et je me suis laissé tenter aussi par du gruyère comme ceci. Là, au moins, c'est nos régions ont du talent. Il n'y a que ça qui est du talent. Ensuite, niveau fromage,
du gruyère comme ceci. Je sais pas pourquoi j'ai pris du gruyère aussi comme ça. Et j'avais envie de prendre un petit crottin de cheval. Ça, je pense que je vais les rajouter au petit pot que je vais faire pour la bébé ou... Je sais pas si je le ferai à la préparation ou après, mais je pense que ça pourrait être pas... Oh, ça hume. Oh, ça hume tellement bon, ça sent les pieds. Oh, j'adore, 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 j'adore. Et toujours comme... comme fromage, je perds mes mots, j'ai pris de la Mimomette comme ceci. Franchement, celle-là, elle est très très bonne. Je vous la conseille à 2000%, elle est super bonne. Ensuite, j'ai pris des œufs. Alors là, j'ai regardé, c'est le seul truc peut-être bien que j'ai fait pour mes courses. J'ai regardé les œufs et j'ai regardé si c'était pas marqué, c'est mieux chez Leclerc parce que c'est marqué cage ou pas cage, cage ou pas cage. Donc là, ce sont des poules élevées en plein air. Donc voilà. Marque repère, œufs de nos régions en plus, c'est pas des poules du Maroc qu'on fait le chemin en dépensant beaucoup d'essence. C'est des poules françaises élevées en plein air. Normalement, tout va bien. Sauf s'ils nous mentent, hein, si c'est comme le coup de le... Qu'est-ce que c'était le cheval dans la viande, on n'est pas bien. Ensuite, j'ai pris des allumettes, comme ceci. Pas des allumettes pour le feu, mais des allumettes pour faire des spaghettis. Hein. J'ai pris le summum de la dégueulasserie, du poulet comme ceci, ça coûte super cher, c'est pas super bon, il y a plein de sel, tout ce que tu veux dedans, mais c'est bien pratique le matin quand tu te réveilles, la gueule comme ça, à 4h du matin, tu dis oh, j'ai pas fait ma gamelle, bah au moins t'as ça. J'ai ensuite pris pour mon mec du jambon de pays à os, s'il vous plaît, parce qu'il y avait une petite réduction dessus. Ensuite, du petit rôti de porc comme ça, des tranches comme ça, plein de sel, du torchon comme ceci. Pourquoi ça s'appelle torchon? Je sais pas, mais j'en ai pris deux torchons et j'ai pris du poulet comme ceci avec 25% de sel en moins. Me suis laissé tenter, oh le gros gras, t'adores ou pas le gras? Tu kiffes Bernard? Du poulet blanc comme ceci pour mon mec, les allumettes, on en a déjà parlé, et je me suis laissé tenter par ça, je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait être sympa, des espèces d'aiguillettes de bœuf, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, de la marque Charal. Pour la petite chouquette, elle adore le elle adore le Babybel. Donc j'ai pris des Babybel, même si je lui donne aussi du gruyère et d'autres fromages. Comme je vais lui donner du chèvre, donc elle adore le Babybel. Donc je lui ai pris du Babybel. Oh, on en parle ou pas? Le yop, j'adore le yop. J'adore le yop, donc j'ai pris un yop au chocolat. Et ensuite, peut-être que c'est plutôt pas mal, pour faire les petits pots de bébé pour mes bébés, j'ai pris des carottes comme ceci. Alors oui, c'est pas bien non plus, parce que les carottes, elles sont déjà, déjà lavées et tout, et tout, et tout, donc c'est pas forcément bien. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça. J'ai pris du pané, enfin des panés, comme ceci. J'ai envie de faire un petit pot carottes, panées et chou-fleur. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être plutôt sympa. Et ensuite, pour mon mec et pour moi, j'ai pris des petits avocats comme ça. Je trouve ça tellement ouf qu'ils mettent des avocats dans du sachet et tout, des machins dessus, des bidules. Et j'ai pris, et pareil pour les tomates, hein, c'est abusé, mais après tu peux l'acheter au primeur tes tomates, hein, c'est ma faute. Hein. Des petites tomates, c'est bio, mais est-ce que ça c'est bio? Je sais pas. Des petites tomates bio comme ceci. Et voilà, et voilà, et voilà, là, 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 là. En ce qui concerne les courses, comme je vous l'ai dit, toutes mes courses, je trouve ça, je trouve que, honnêtement, que c'est vraiment, vraiment, vraiment... Je me donnerais un 7 sur 10 dans la catégorie malbouffe. Il n'y a vraiment rien de bien à part les légumes et encore les légumes. Vous voyez, on parle du plastique, on parle du plastique, on n'en parle pas. J'ai reçu un commentaire tout à l'heure qui me disait qu'il y avait beaucoup d'emballage. Mais oui, t'achètes des tomates, il y a énormément, énormément d'emballage. Mais on n'a pas le temps ou on se donne pas le temps, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est clair que les drives c'est super pratique, c'est nananana, ça t'évite à 18h30 quand t'as fini le boulot d'aller faire tes courses, d'aller chez le primeur ou alors d'aller chez le fromager pour éviter d'avoir du plastique, des trucs comme ça. Après ce serait aux industriels d'essayer de faire l'effort, de faire des packagings un peu moins chiants, un peu moins casse-couilles, un peu moins chelou, parce que là si je déballe tout j'ai énormément, énormément, énormément de plastique. Après, c'est comme ça que je consomme. Je n'ai pas, entre guillemets, le choix quand je vais sur le drive de choisir si je veux mes avocats. Quoique des fois, tu peux choisir à la pièce, mais pas tout. Pour les paniers, tu peux pas les prendre à la pièce. Donc voilà, il y a certains articles qu'on est obligé de les prendre. Voilà, ces courses n'étaient pas dans le but de... que vous me félicitez hein, sur le fait que j'ai fait mes courses de telle ou telle façon. C'est juste pour faire prendre conscience que
peut-être vous êtes comme moi, peut-être que je suis comme tout le monde, ou peut-être que je n'ai rien à voir avec vous. Mais en tout cas, c'est mes courses à moi, voilà. Il y a des courses d'appoint, c'est pas des courses parfaites, là, c'est vraiment des courses d'appoint. Parce que niveau conserve, moi je trouve que acheter de la conserve, c'est plutôt pas mal. Niveau conserve, j'ai plein de trucs. Dans le congélateur, j'ai plein de viande. Mais voilà, peut-être que visuellement, mon chéri va avoir l'impression qu'il y a des choses dans le frigo et qu'on a à manger. Que s'il y a la guerre demain, on peut survivre, alors qu'on aurait pu très bien pu survivre. Donc voilà, ne me jugez pas, ne me jetez pas la pierre. Cette vidéo était les courses de la honte, de la défaite. C'est mes courses, et moi je vous remercie de m'avoir regardé. Désolée, je suis un petit peu speed, mais faut que j'aille chercher mes enfants bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé, je disais, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. We can be true. I want you to see what